As. Se trouve au nord de ce goulag. C'est discret ça, c'est bien. C'est super discret. C'est étrange de retourner sur le terrain. Après tout ce temps passé infiltré, à mener une vie de rêve dans le manoir des Croft. Ici, le confort n'existe pas. L'air est glacial. La nourriture insipide et froide. La compagnie en dehors de Constantin est effroyable. Mais j'ai demandé à venir ici. J'en avais besoin. La patience est un luxe que je ne peux plus me permettre. Constantin et moi avons commencé ce voyage ensemble. Je serai à ses côtés quand il accomplira son destin. Voilà. Vite, faut que je file d'ici. Bon, on se casse. Mais non. Où est-ce qu'on va? L'écusson militaire des soldats de l'Ordre de la Trinité. Il n'y a pas de texte, juste un symbole. Ils se cachent même de leurs propres troupes. Ah, c'est joli. Ah, ok. Allez. Voilà. Et maintenant... Ah, ça a enlevé le truc électrique de l'eau, en fait. D'accord. Ouais, ok. Ouais, j'ai un fusil d'assaut. Ouais. La tête, ok. Ouais, casse-toi bosser, gueule. Goldo. Au lieu de dire de la merde. Oh, c'était la tête? Ok. Oh merde. Qu'est-ce qu'elle fait? Maintenez pour fabriquer des explosifs. Ah merde, y'a l'autre. Ok.
sympa dans la façon dont ils t'apprennent à faire les choses en fait. Et du coup, mais ça on peut pas le garder. Non, on peut pas le garder. Ok. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas changer la vue de côté. Ça c'est un truc qui est extrêmement chiant dans les jeux à la troisième personne. Tandis que nous avons. Ah merde. Jacob ? Est-ce que c'est vous, Jacob ? Lara, faites attention. Ils sont partout. Ils vont vous barrer la route. Le voilà ! Descendez-le ! Oh non! Oh non! Merde! Attends! La première fois depuis des semaines, les choses semblent claires. Je sais que cet endroit cache un secret. Les soviétiques ont essayé de le découvrir aussi. Et maintenant, les Trinitaires. Et Anna. Anna, bon sang. Je n'arrive pas à y croire. Pendant tout ce temps. Est-ce qu'elle espionnait papa aussi? Je dois repartir. Trouver Jacob et me rallier à son peuple. Si j'arrive à leur prouver ma valeur, peut-être qu'il m'en dira plus sur cet endroit. On a ça. C'est un fusil. Un fusil de chasse. Non, on s'en fout. J'aime pas les fusils de chasse, ça sert à rien. Enfin. Question de. Putain, qu'est-ce qu'il est gros, oh la vache. Les semi-automatiques. Ouais, on va faire ça. Mettre ça comme tenue, sympa. Faut plus de peau et tout ça. Oh wow, ok. On est en position de force. J'avance, couvrez-moi. Tire dans une pression. Elle est blessée. Ils veulent que je fasse quoi avec la corde? Je suis
Putain, la caméra. Ah, faire tomber en fait. Il y a la même chose ici. Quoi ce? Oh la vache. Voilà. Allez, descendez là. Oh merde. Ennemi repéré. Elle est seule. Allez, j'ai pas que ça à faire. Par contre, lui, il est en armure. Parfait. Ok, il est mort. Eh ben. Pratique les flèches empoisonnées. Vache. Trésor là. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Jacob, je suis plus très loin de la gare de triage. Vous êtes arrivé? Jacob, ça a l'air d'être un gros tueur en fait, apparemment. Gros tueur en série. Un insigne de grade d'ordre militaire. Les Trinitaires.
Une autre plaque soviétique. Les ennemis doivent répondre de leurs crimes. Un peu flippant. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qui se passe ? Fou. Ok. Vous en avez mis du temps. J'ai bien cru vous perdre là-bas. Ça ne risque pas. Merci de m'avoir aidé à sortir. Dépêchons-nous! On peut sortir par là! Attention! Ah oh la vache! Comment là? Oh putain, non, t'es sérieux? Mon cœur, mon pauvre petit cœur, s'il te plaît. Ah, pas le temps de s'arrêter. Je vois rien. Passait tellement à travers moi les tirs. Vache. On va où là? Là. Le mec il a quand même le temps de... Je veux pas dire mais il a quand même le temps de tirer sur le pilier où c'est que les... la corde ça est accrochée et tout, au lieu de me tirer dessus directement. S'il a le temps de viser aussi bien, papa, il a le temps de me tirer dessus. Est-ce que tout dessus, va quoi. Bien papa. Ça vous aidera. Vous auriez pu me laisser dans cette rivière. Vous m'y auriez laissé? Ça m'aurait traversé l'esprit. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? Alors, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à prendre autant de risques? La source divine. Je sais ce que vous êtes venu chercher. Je veux savoir pourquoi. Quand j'étais enfant, il n'y avait que mon père et moi.
Il était archéologue, lui aussi. Les années qui ont précédé sa mort, il était comme obsédé par les mythes autour de l'immortalité. Évidemment, personne ne le croyait. Même pas moi. La dernière fois que je lui ai parlé, on s'est disputé. Il a décidé de se suicider. Je ne croyais plus jamais entendre parler de ça, mais... Quelque chose s'est produit. J'ai été témoin d'une chose, contraire à tout ce que je croyais jusque-là. Ça a vraiment tout bouleversé. J'ai réalisé que mon père avait raison sur tout. Il est mort tout seul. Il était brisé. Mais au moins, il est mort pour une cause. Vous pensez donc que la source divine existe ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais s'il y avait... ne serait-ce qu'une once de vérité, je dois le savoir. Il faut que la question soit étudiée et approfondie. La vie telle qu'on la connaît serait remise en question. On ne peut pas garder ça secret. Une remise en question n'est pas toujours bénéfique. Voudriez-vous que les Trinitaires détiennent le secret de l'immortalité ? Bien sûr que non. Dans ce cas, je vous demanderai non pas d'abandonner votre quête, mais d'en détourner la trajectoire. Rejoignez-nous, mon peuple et moi. Aidez-nous à repousser Constantin et les Trinitaires. Et une fois que ce sera fait ? Vous laisserez notre vallée en l'état, en sachant que vous aurez fait ce qu'il fallait. Non. Je suis désolée. Je peux pas faire ça. Ne peut pas ? Ou ne veut pas ? Je combattrai les Trinitaires à vos côtés, mais je dois découvrir la vérité. Si j'abandonne maintenant... C'est comme si c'était lui que vous abandonniez ? Pas seulement lui. Il faut que j'aie des réponses, Jacob. Je veux le fin mot de cette histoire. Ah, elle est têtue. Elle passe pour une folle, à la limite. Je suis très inquiet pour mon village. Il est à un jour de marche. De l'autre côté de la montagne. Il y a un raccourci par la vieille mine de cuivre. Vous, reposez-vous. Je reviendrai vite. I'll be back. Salut Saphir, ça va ? Ça va, Saphir ? Ouais, mais elle passe pour limite une folle en fait. Une nouvelle aventure vous attend. Merci d'avoir acheté Baba Yaga. Le temple de la sorcière pour Tomb Raider. Le marqueur rose de la carte indique les objectifs. Une nouvelle mission vous attend dans les complexes soviétiques. Mystère du vallon maudit vous appelle. C'est sûrement John Wick. Jacob, vous êtes là ? C'est pas vrai. Où est-ce qu'il est ? Ah ben j'en sais rien. Sûrement John Wick. Overwatch, nous avons trouvé la fiche dans l'ancienne Syrie. Nous l'avons blessé, mais les natifs ont posé des pièges sur tout le périmètre. Nous avons un mort pour l'instant. On fait une reco. Ah, journée pourrie. Ah merde. À nouveau seul. Ah, je l'ai pas fait non plus. Jacob est parti devant. Il y a quelque chose chez lui qui m'échappe. C'est à la fois bizarre et presque rassurant. J'ai l'impression que je pourrais lui dire n'importe quoi et qu'il ne broncherait pas. Je ne ressens aucun jugement de sa part et en même temps, je n'arrive pas à lire en lui. Mon instinct me dit que c'est quelqu'un de bien. Il m'a sauvé la vie. Je crois pouvoir lui faire confiance, du moins pour l'instant. Mais je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il n'en sait plus qu'il ne le dit. Arc, il est joli celui-là. Enfin, j'aime bien les stats surtout. Vitesse de tir, cadence de tir. Et le temps de charge, il est très très bas.
on va prendre celui-là. On va prendre celui-là, il est pas sophistiqué du tout comme arc, ça va. Ça aussi c'est à cause de, vu que c'est une, je sais pas, la version collector machin du jeu. Donc du coup j'ai pas mal de choses. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tu as maintenant deux flèches sur deux cibles verrouillées en zoomant avec l'arc. Ouais. C'est bien. Alors, augmente la quantité de ressources fabriquées naturelles que vous récupérez. Okay. Pour l'inventaire, il va falloir récupérer des pots. Parce que j'ai rien pour le moment. Eh ben, bon, ça va, on est bien équipé. Non, pas ça, ça. Baba Yaga. Ah, on va faire ça, tiens. Perturbation dans la Syrie. Obtenez des informations sur les trinitaires dans le complexe soviétique. Ok. Ne tirez pas. Je suis avec Jacob. Il nous a dit de vous attendre. Mais ces vermines nous ont trouvé les premiers. On va voir ce que c'est. Oh bon sang. Tout va bien ? Je m'en sortirai. Ouais, tout va bien. Il me faut un endroit plus sûr au cas où les envahisseurs reviendraient. Il y a une grotte de l'autre côté du pont. Une tanière de l'eau. Ils n'iront pas chercher là. Mais je ne peux pas la sécuriser tout seul. Pas dans mon état. Si vous pouviez les tuer, on aurait un endroit sûr où se regrouper. J'aurais peut-être même quelque chose pour votre pistolet. Vous pouvez m'aider ? Oui, bien sûr. Ne vous faites pas voir, je reviens. Merci. Alors, c'est où ? C'est à gauche. D'accord, bon. Ne laissez pas la cible s'échapper. Il faut qu'on sache pourquoi elle suivait l'équipe Bravo. D'abord, on va faire ça vite fait. Merde. Vous m'avez pas vu. Ouais, on est bon. Il y a personne. Toi aussi. Ça va, il y avait personne.
plein. Ok, allez, on rentre. Une habilité pour le recul des armes. Ah, possible. Oh la vache. Ok, attends. Ils visent bien en fait, c'est con. Oh, oh vache. Ils visent très bien en plus, c'est con. Il était où le mec? Ah, il était là-bas. Vous avez nettoyé la grotte? Oui. La grotte est nettoyée. Si vous vous y rendez, vous serez en sécurité. Merci. Tenez. Prenez ça. Jacob nous a dit de vous protéger, mais... les rôles ont été inversés. Viseur pour pistolet. Ouais, non, je sais pas s'il y a vraiment une habilité pour ça. Faudrait que je regarde. J'ai pas vraiment... J'ai rien débloqué, je crois, pour les armes à feu. Ce que j'ai débloqué, c'est surtout la survie. Et l'arc. Faudrait changer... Oh la vache. Attention, grenade. Je voudrais changer de côté quand je cible. Tire de suppression ici. Oh la vache. On va peut-être pas y aller comme ça en fait. Combien de grenades, les mecs? Chaud devant. De quoi? Tu m'expliques pourquoi ça vient de péter, ça? Quelqu'un où là? Elle doit encore se cacher. Arrête! Reste où tu es! Je ne fais pas partie des Trinitaires. Je m'appelle Lara. Et ton arme n'est pas chargée. Le barillet est vide. De toute façon, le percuteur n'a jamais marché. Tu es blessé. J'ai juste besoin de m'asseoir un moment. Lara, c'est ça? Moi, c'est Nadia. J'aurais bien besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire? Mon grand-père est parti en douce du village dans la nuit. Je crois qu'il se dirige vers le vallon maudit, là où habite la sorcière Baba Yaga. Baba Yaga. J'essayais de le rattraper lorsque les envahisseurs m'ont eu. Avant ma naissance, la sorcière a tué ma grand-mère. Grand-père parlait toujours de se venger, mais je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Le temps presse et je ne suis pas en état d'y aller seule. Nous devons le retrouver. Je vais partir par là pour voir si je peux retrouver sa trace. Merci beaucoup. Le chemin qui mène au vallon se trouve dans la grotte à l'est d'ici. Dans la grotte à l'est d'ici. Baba, là-bas. Ok. Tu peux?
C'est con qu'elle peut pas sortir un compas de ses mains là, au lieu que je dois chaque fois regarder la carte. Quoi ce bruit? Se passe-t-il? Ah, c'est la grotte, on pouvait pas y aller avant. Ah, ok. Monte, prends ton temps. Oh, bien, 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 bien. T'inquiète pas qu'il est pas con. Ok. C'était peut-être la sorcière. Ou alors Ah la vache. Ou pas. c'est peut-être pas la sorcière. Ou John Wick. J'allais faire la blague John Wick mais non. Yaga, où es-tu? Une piste. Elle doit être très ancienne. C'est quoi ça? Ah, c'est de l'eau. Sur l'un des envahisseurs que tu as tué. Tu m'entends? 5 sur 5. Je peux écouter les fréquences des envahisseurs pendant que je me soigne. Je te ferai signe si j'entends quelque chose qui pourrait t'aider. Je me demande si c'est un long DLC ou pas. Enfin, comment ça marche. Vu que c'est un DLC qui est rajouté à l'histoire principale, ça a l'air sympa. Ah non! Faut du bois. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le vallon maudit, Nadia? Mon peuple évite cet endroit depuis des siècles. Lorsque les soviétiques étaient ici, ils ont essayé de construire un avant-poste dans le vallon. Mais ils ont énervé Baba Yaga. Elle les a tous rendus fous. Grand-père m'a beaucoup parlé d'elle. Elle vit dans une maison magique qui marche sur des pattes d'oiseaux. Quoi? Et tu y crois? À la maison aux pattes d'oiseaux? Je fais confiance à grand-père. Il était au goulag lorsque les soviétiques ont emmené ma grand-mère dans le vallon pour les aider à étudier les ruines. La sorcière l'a tuée. Il ne l'a jamais oubliée. Une sorcière? Tout droit sortie d'un conte russe? C'est assez improbable. Fais attention. Il y a quelque chose dans ce vallon. Il n'arrive rien de bon dans ce lieu. On va faire demi-tour. on va récupérer du bois. Parce que j'ai pas envie de tout refaire non plus. Donc, recherche de bois. Thank you.
Bah avec ça normalement c'est bon. Il en fallait 3, donc c'est bon. Ouais, let's go. Ça s'est bien passé, State of Decay 1. Ah yes, on a eu les pots là, spéciales. Ok, alors. Petit sacoche pot augmente capacité de stockage de ressources. Ça c'est pas, c'est bien. Munitions pour pistolet. Et munitions pour fusil. Voilà. On y va. Sur les traces de Baba Yaga. Ah oui. Merde. Attention. Est-ce qu'elle parle directement à moi ou pas? Où est-ce qu'on va? On fait le tour. Oh putain. Carrément un temple. Lara, je reçois une transmission. Tu dois l'entendre. Overwatch. Ici l'équipe Bravo. Nous demandons l'extraction immédiate. Oh, merde. C'est quoi ce bordel? C'est... Elle marche. Comment? Putain de... T'as entendu? C'était la sorcière. Il se passe quelque chose là-bas, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on va tirer ça au clair. Elle m'a fait peur, cette conne. T'as trouvé d'autres traces de mon grand-père? T'es toujours sur le chemin du vallon? Non, mais je vais bientôt y retourner. Emprunte la passerelle en bois le long de la falaise. Elle te mènera droit au vallon. Non! On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Soit... Eh, mais faut qu'elle arrête de faire ça. Hein. Fait flipper, moi. Oh, vache. Bon, on y est là. Monte. Ah. Afin de rentrer dans le vieux temple, dirige-toi vers la passerelle en bois le long de la falaise. Il devrait y avoir une corde qui y mène. Ce chemin te mènera directement au vallon. Pas besoin d'entrer dans le vieux temple. T'es sérieuse? Je vais y aller plutôt deux fois qu'une. C'est quoi ce bruit? Ça a pas la tête. C'était une sorte d'hôtel, sans cet endroit divin creusé. Ok, ça marche. Les pèlerins venaient prier ici. Voilà. Au moins ce contrepoids fonctionne toujours.
Merde. Le contrepoids est coincé. Merde. Je dois franchir cette porte. Merde. Le contrepoids. Je dois arriver. Il paraît que la... Oui. On doit le... décrocher. Non. Ça fonctionnera pas à ce niveau. Ah. Ok. Faut retourner de l'autre côté alors ? Sûrement. Sûrement la baisser. Ok, ça marche que. Oui, c'est mieux comme ça. Ah oui. Voilà. Ah, c'est quoi cette lame ? Cette lame. Je dois revoir mon timing. Ah, faut le faire avec... Oh putain de merde. Faut le faire avec le vent. Oh la vache. C'est bon. Il ne reste plus qu'à ouvrir la porte. Sympa. Par contre, elle aide quand même énormément à Lara Croft hein, quand il y a des énigmes. J'aurais dû mettre ça dans la difficulté. Genre choisir. C'est une formation naturelle. Formation naturelle de quoi ? De grotte ? De tube. J'aurais dû mettre ça dans la difficulté pour les énigmes. Est-ce que vous voulez que Lara vous parle ou pas? Putain, ça arrête pas de trembler, oh la vache. Encore un codex. Il contient une série de méditations sur la volonté. Force intérieure. Si vous subissez des dégâts critiques en combat, indiqué par l'écran devient gris, votre santé sera automatiquement restaurée. Cette régénération de santé ne servira qu'une fois par combat. Et se recharge après chaque affrontement. Parce que en fait, ce qui est... mal fait dans un sens, c'est pas genre elle va te dire. Le vallon maudit n'est plus très loin. Il te suffit d'emprunter la passerelle en bois le long de la falaise. Elle va pas t'expliquer ce qu'elle pense. Elle sait la solution à chaque fois en fait. Mais elle va pas te parler avant que. Une étoffe rituelle portée par les prêtres pendant la messe. Ok. Non, alors qu'est-ce que je veux dire en fait exactement ? Elle va te parler avant que t'aies le temps de comprendre ce qui se passe. T'as même pas le temps en fait de comprendre quel est le puzzle, elle te parle déjà. C'est mal timé en fait. Enfin. Il y a un petit campement. On peut utiliser on le feu. Que grand-père est au moins arrivé jusque-là. Tu as presque atteint le vallon. Non, on peut. Non. Ok.
On va essayer de pas crever. Ah la vache. Ok. Par contre, faudrait me donner un feu de camp là. Ce serait bien. Nadia, je crois avoir trouvé le vallon maudit. Je sais pas si c'est Baba Yaga, mais il y a quelque chose ici. Fais attention, c'est son territoire. Oh shit. Nadia, ma petite fille. À présent, tu dois le savoir. Je me rends dans le vallon pour tuer la sorcière Baba Yaga. Je pars venger ta grand-mère. Il y a de nouveaux arrivants dans notre vallée. Des hommes armés qui arrivent en hélicoptère. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais si je veux y aller, c'est ma dernière chance. Tu mérites de connaître la vérité, mes raisons. Ton grand-père n'est pas un sage. Je suis devenu, en travaillant dur, un homme bon pour le bien de ta grand-mère. Mais je ne l'ai pas toujours été. Je venais de l'Ouest, où même un petit village est composé de milliers d'habitants. J'étais un jeune homme paresseux, et je rêvais d'une vie facile lorsque j'ai rejoint le parti, d'un bureau confortable dans la grande ville. Mais ils m'ont envoyé ici, au bout du monde, pour regarder des hommes et des femmes travailler et mourir de faim, pour participer à leur punition. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment me battre, jusqu'à ce que je la rencontre. Mais de qui il parle ? Baba Yaga ? Désolé, on y va. Ah non ! Je vais arrêter de faire des flèches. Le vieillard a été... Oh non. On va crever, on va tous retaper. Oh la vache. Il y a une sorte de pollen dans l'air. C'est les fleurs. Tu peux répéter? Je t'ai pas bien entendu. Quelque chose ne va pas. J'ai la tête qui tourne. Oh non. Il est trop tard. Non, c'est un rêve. C'est pas réel. C'est pas possible. Oh. Je voulais juste du bois, moi. Papa ? Non, c'est pas possible. Non, attends. Je suis presque là. Mais je suis où ? Il va jusqu'où, ce chemin ? Il y a pas là, espèce de petit sage. C'est pas réel. Pas lui. Papa, arrête, s'il te plaît. Non. Il faut que je me sorte de là. Je voulais juste du bois. Sans déconner. Je veux seulement partir. Je vous en prie. Non, c'est pas possible.
Non. C'est pas ça. Je t'en prie. Comprendre. Qui êtes-vous? Viens voir. Non. Non, je veux pas. Non. Oh la vache. Je vais pas venir.